vidéo en plusieurs parties, avec des extraits ici, avec des extraits là, avec des extraits là, ici ou là, ici et là, ici et là, ici et là, ici et là. Ici et là, 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 ici. Incursion. Celui-ci, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps. Le fils de Charles Mingus a pris la relève avec un disque fabuleux, The Devil's White. C'est l'un des deux disques. J'aurais pu choisir de vous parler de l'autre disque, mais j'ai pris le parti d'évoquer celui-ci qui, à mon sens, est le plus réussi. Une tuerie entre blues, gospel, jazz et quelque chose de particulièrement improbable et indéfinissable. Eric Mingus à écouter d'urgence. Extrait. Gets bigger every day. We dance around the issue, but the furniture gets in the way, and the gorilla in the room hangs a heavy head in shame. And tomorrow we'll get up and do it again. The ruins and ghosts strike us off funny at times. Bonjour à toutes et à tous, vous l'aurez compris, je suis obligé d'abandonner les lives, malheureusement. Je suis obligé de bricoler aussi un petit peu parce que d'un côté l'image est bien mais le son est pas terrible et de l'autre le son est pas trop mal mais l'image est très mauvaise. Je tente un truc, on verra bien ce que ça donnera. Il y aura des extraits sans doute donc.
Mais il y aura beaucoup de choses, donc je vais pas tout vous mettre en extrait. C'est presque dommage, mais c'est ainsi. C'est vrai que j'aimais bien les lives. Il y avait une interaction très intéressante. Malheureusement, bon, bah, pour le moment, c'est plus possible. On perd à mort avec le présent. Un disque composé entre 2005 et 2021. C'est un disque assez étrange, presque une messe, joué sur un orgue de bon marché, pas bon tant pis, mais pas loin. Et c'est assez drôle en fait comme rendu. Je pensais que ça allait faire un peu cheap. Et en fait le résultat est assez émouvant. Il y a de grandes compositions qui se cachent derrière, derrière de petits moyens. Et finalement c'est assez intéressant et étonnant à la fois. Voilà. Opéra mort. Opéra mort, extrait. Opéra mort avec l'un des membres de Fusillé. Passage, on notera un hommage à Damien Schulz, un artiste qui a mis fin à ses jours il y a 2 ans, je crois maintenant, et qui était un poète un petit peu décalé, mais intense. Alors je crois qu'il a mis fin à ses jours, en tout cas, il nous a quitté il y a peut-être pas 2 ans, enfin il y a quelques temps déjà. C'était quelqu'un de très intéressant qui faisait des choses particulièrement singulières, un personnage entier, et ma foi, c'est un petit peu dommage qu'il ait choisi cette voie, mais bon, c'est ainsi. Un extrait. GEM, G-E-M, c'est un collectif français. Alors je vais pas vous citer tous ceux qui participent à ce disque, mais il y en a beaucoup. Le projet est porté par Antoine Viard, saxophoniste,
et Simon Enoch, qui est guitariste et électronicien, il fait un peu de tout. C'est un très chouette projet. Ils font une sorte de rock indé déglingué qu'on aurait pu rapprocher des tout premiers Diabologum et puis du post-punk du début des années 80 en France. C'est assez particulier, c'est fait de briquet de broc, de collage, c'est assez foutraque. Et en même temps, il y a une certaine cohérence sur l'ensemble. Et voilà, ça tient vraiment bien la route. Et ma foi, c'est un bon disque. C'est chez Coax. En fond sonore, nous entendions les Dust Breeders. Qui est un groupe de noise français conduit par Michel Henrizi et Yves Botts. Voilà, alors ils ne sont plus vraiment actifs aujourd'hui, mais ça a été vraiment un des fers de lance de la noise en France. Celui-ci est particulièrement virulent parce que... parce que c'est une musique qui est essentiellement faite de feedback, là où habituellement il y a quand même un peu de guitare, j'allais dire, mais aussi de batterie, il y a une structure plus pas conventionnelle parce que c'est quand même du free noise clair et net, mais enfin bon, là c'est un déluge de feedback, un peu comme le Metal Music Machine de Lou Reed, quoi. Voilà. Anarchive, le très beau label, alors je vais vous en sortir un, pas les deux. Los Dornkos Sun and Fireworks. Voilà, une sorte de rock psyché. Japonais. Voilà, c'est un label français qui est spécialisé dans la réédition de disques. Enfin de groupes japonais. C'est un super label parce qu'ils font un travail remarquable, hyper qualitatif, comme vous pouvez le constater. Et pour des prix tout à fait raisonnables. Voilà. Alors il y a des goodies. Souvent on se dit qu'on s'en fout des goodies parce que ça a tendance à augmenter les tarifs. Mais là non. Les disques de chez Anarchive sont toujours sublimes et surtout je crois qu'ils tournent aux alentours de 21 €, ce qui est quand même voilà, et chaque pochette est sérigraphiée, alors évidemment ça se voit pas forcément, mais toutes les pochettes d'Anarchive sont sérigraphiés. Voilà. Donc ça c'est une sorte de rock psyché
un peu free noise. Avec Takashi Masubuchi, Ayami Suzuki Tomo. Alors c'est des noms japonais, donc pardonnez l'accent. Donc là c'est beaucoup plus folk. Presque par moment ça tend vers le Bob Dylan. Le Bob Dylan folk, hein, pas tout à fait, mais on n'en est pas loin, par instant seulement. Et c'est un peu comme si Bob Dylan rencontrait les Acid Mother Temple. Voilà, ça fait un mélange assez particulier, mais franchement réussi aussi. Et tout de suite, un autre extrait. Exclu que la vidéo se passe en deux parties. Quadruple LP. Je vous montrerai les autres après. Avec Paul Weichel, Jupiter Storm, Partial Interstate,
Alors ça, c'est un projet que moi je connais pas trop, mais c'est du. C'est de l'impro libre. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent Compagnie d'Eric Bailey, voilà, c'est cette école-là. C'est pas forcément ce que je préfère moi dans la musique XP, mais il y a de bons moments. Pas nécessairement ceux qui se rapportent le plus, pardon, il y a un reflet de ouf. Pas forcément les moments qui se rapportent le plus à cette fameuse impro libre. Mais en revanche, il y a des passages plus drones, plus mélodiques qui sont vraiment intéressants. Donc il y a 4 LP, je vais vous montrer les autres. Et donc forcément, bah sur 4 LP, tout n'est pas à conserver. Trois autres dont je vous parlais à l'instant. Voilà, qui sont tous les trois, enfin les quatre sont dans la même lignée, on va dire. Mais donc forcément, ça donne des passages dits ventre mou. Et puis d'autres choses plus intéressantes. Ornette Coleman, Standing the Case. C'est une longue suite orchestrale. Très free, très footrack. Celui-là, faut vraiment s'accrocher. Alors, c'est pas free dans le sens free jazz. Comme son album Free Jazz. Mais étonnamment, on se rapproche plus ou moins de d'un Albert Hayley, mais pas tout à fait. Ce qui est assez étonnant dans ce disque, c'est que bah, donc il y a Ornette Coleman, mais en revanche, enfin, on ne sait pas quelle est la section rythmique qui l'accompagne. Voilà, c'est une curiosité. Moi, je connaissais pas du tout ce disque. Qui a été enregistré. Quand est-ce qu'il a été enregistré? C'est une bonne question. Alors, on n'a même pas la date précise, il a été enregistré au début des années 60. Voilà. C'est un disque pas courant. C'est un de ceux que j'ai trouvé en occasion, au souffle continu, je vais vous en montrer pas mal. En jazz, là, j'en ai trouvé quelques-uns. Et. Vraiment, c'est pas mal ce que j'ai trouvé là, c'est très intéressant. Alors, passons rapidement sur les hits dont je vais pas passer d'extrait. Vous allez voir, il y en a quelques-uns, donc on va aller vite. Il m'en manquait deux, les Nick Cave. Voilà. Enfin, il m'en manquait deux, je les avais en CD, mais je voulais. Je voulais la complète, voilà, en vinyle tout simplement. Et bah, c'est les deux derniers qui me manquaient tout simplement parce que c'est les deux seuls que j'aime pas vraiment. Celui-là est pas terrible, terrible. Bon, il y a deux, trois morceaux que j'aime bien. God is in the house. Et puis, Alléluia est pas mal. Bon, faudra que je le réécoute, ça fait des lustres en fait que je ne l'ai pas écouté parce que j'en avais pas un souvenir impérissable. Mais c'est Nick Cave, j'adore Nick Cave. Et du coup, bon, je me suis laissé tenter. Ne vous faites pas avoir, puisque on parle souvent d'Amazon. Actuellement, ils sont en vente à 37 euros. Moi, je peux vous assurer que c'est pas du tout, du tout, du tout le prix que je les ai payés. Voilà. Comme quoi, Amazon, mon cululu. Et Nocturama. Donc, pareil, je ne l'avais pas. Enfin, je l'avais en CD. Voilà, c'était vraiment les deux derniers qui me manquaient. Bon, celui-là, c'est pareil, il n'est pas exceptionnel. À part le dernier titre que j'aime beaucoup. Et ça tombe bien parce qu'il dure quand même un bon quart d'heure. Et il s'appelle Babe, I'm on fire.
Voilà, le reste, c'est du Nikkei mou du genou. Donc, on. Ouais, il est vraiment pas passionnant celui-là, quoi. Mais bon, ça me faisait plaisir de l'avoir malgré tout. Et donc, du coup, maintenant, j'ai tous les Nikkei en vinyle. Low, The Invisible Way. Bon, pareil, pour les mêmes raisons. Voilà, celui-là, je. Non, celui-là, par contre, je l'avais même pas en CD. En CD. Donc, du coup, voilà, moi j'aime beaucoup l'eau. Et Common, que je n'avais pas en, que j'avais en CD, pardon. Mais, pareil, je. J'avais envie de. Bah, d'avoir toute la. L'intégralité en. En vinyle, alors il doit m'en manquer. Je crois qu'il m'en manque deux, du coup. Hello. Et puis la surprise. La surprise. Alors, celui-là, il était. Il y avait une erreur d'étiquetage. Alors, The Smile. The Smile, donc c'est le groupe de Tom York et de Johnny Greenwood. Et puis de du batteur de. Des Sons of Met, je crois, un truc comme ça, un groupe de jazz anglais actuel. Et j'avoue que j'avais pas été forcément hyper convaincu par cet album. Et donc je l'ai pas acheté. Et puis il se trouve que on m'a offert le nouveau. Qui est là que j'ai par contre beaucoup aimé vraiment en particulier Bending Hectic You Know Me et puis Red the Moon non Red the Room pardon voilà là enfin moi à mon sens ils reviennent vraiment en force en termes de composition de d'arrangement etc c'est le haut du pavé ça me rappelle les meilleures heures de Radiohead, tout simplement. Pour moi, c'est ce qu'ils ont composé de mieux. Parce que bon, il faut pas se leurrer. Les deux gros compositeurs de Radiohead, c'est dans un premier temps Tom York, puis Johnny Greenwood, qui est un très très bon arrangeur. Alors, je dis pas que les autres n'apportent rien, mais le rapport est beaucoup plus restreint. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'écouter les démos de Tom York. Pour les albums de Radiohead, je peux vous assurer qu'ils livraient les chansons quasiment à l'identique de ce qu'on entend sur les albums. Bref, et donc on m'a offert ceci, et puis dans la foulée, j'avais celui-là dans les mains, je dis tiens c'est marrant, je l'ai jamais, enfin je l'avais écouté mais il m'avait pas emballé plus que ça. Et je le trouvais hors de prix. Ça c'est clair. Et en fait, il y avait une erreur d'étiquetage. Alors je sais pas ce qui s'est passé exactement. Bon, je l'ai payé 14 euros. Enfin, je l'ai payé. Je l'ai pas payé d'ailleurs. On me l'a offert. Pour 14 euros. Alors qu'il est. Il est annoncé. À... Il est cher. Je crois que je me demande, c'est pas 30 et quelques. Bon, enfin bref. Donc voilà, ces deux albums-là, et celui-ci surtout, pour ceux qui aiment Radiohead, ou Tom York, ou les deux, ou même pas du tout, jeter une oreille, il y a quand même des choses excellentes là-dessus. Voilà, donc tout ça, je peux pas vous en passer d'extrait, évidemment, sous peine d'être arrêté, expatrié, ou que sais-je encore, bref, de subir les pires outrages. Ça c'est fait. Oh, une belle trouvaille. Raoul Eden Incarnation. Ça c'est de la folk, de la pure folk française. Un doux mélange entre le John Fyde Americana. Le Bert Jones et puis
Robbie Bachot. Voilà. Quelque part, c'est situé quelque part là, là-dedans. Il joue souvent sur une 12 corde, donc ce qui lui donne un son très ample, très très solaire. C'est vraiment très très beau. Voilà, je vous conseille. Bon, de toute façon, je vais vous en mettre un extrait, mais je vous conseille de jeter une oreille attentive sur Raoul Eden, que je connaissais pas du tout. Et que j'évoquerai sans doute dans les pages de la revue dans quelques temps. J'imagine. Et tout de suite, extrait.